Voilà un petit peu de quoi nous allons parler. Ça va durer maximum 10 minutes. L'idée, c'est vraiment de faire une courte présentation du stage que vous allez faire avant d'aller sur le terrain et surtout des règles de vie. Jeudi, entraînement et vendredi, entraînement plus cérémonie de clôture. You can forget the broadcast things because this is for July session, okay? For the guys who stay in July with 2 weeks, we can include. So that's not for the guys right now. That's not for the kids. Donc ne tenez pas compte. Ensuite, les chambres. Les chambres, vous n'y serez que pour dormir. Le reste du temps, vous serez tous ensemble à faire soit des animations avec l'équipe d'animateurs, soit l'entraînement. Donc, vous n'y serez que pour dormir. C'est un endroit où on est assez calme. D'accord? Avec uniquement son partenaire de chambre. Vous allez vous-même choisir si ce n'est pas déjà fait. Votre partenaire dans la journée, vous aurez vos chambres ce soir. On ne perd pas les cartes. On les rend. Le football est obligatoire. C'est un peu pour la raison pour laquelle vous êtes là. Sauf en cas de blessure ou de douleur, où là vous pouvez dire au coach et on adaptera les séances, il n'y a aucun souci. Mais sinon, football obligatoire. Avant l'entraînement, on se prépare en silence avec son kit d'entraînement dans les vestiaires. En silence, ça ne veut pas dire pas un bruit, ça veut dire doucement, dans un esprit de calme. On n'est pas là pour crier. Pendant les entraînements, on écoute. Les éducateurs, ils sont là pour vous donner des consignes et des conseils pour vous progresser. Si vous n'écoutez pas, vous n'avez pas progressé, ce serait dommage. Donc on est...